Bonjour à toi qui viens de rejoindre cette vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir Styleux. Styleux, qui est-il? Il est un joueur Arkix. C'est un joueur Arkix 3.0. Donc il joue pas la version avec le golem de glace, il joue la version avec le chevalier. Il a fini top 50 la saison dernière en ladder. Il a donné de nombreux conseils, il y a 20 minutes de conseils précieux de la part de Styleux sur la vidéo qui est sortie hier à la même heure. Donc hier à 16h, tu as rencontré Styleux potentiellement sur la chaîne. Si tu viens de découvrir la chaîne ou la vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo précédente avec Styleux sur la chaîne. Tu vas juste sur la chaîne, tu vas sur la vidéo précédente, tu auras directement tout ce qu'il te faut. Sinon tu tapes Styleux, Naxiva, tu devrais trouver sans aucun souci sur Internet. Dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo-là, simplement, on est parti sur du live. Du live ladder, on est top 50 ladder à ce moment de la vidéo et on va essayer d'aller faire 3, 4, 5 matchs pour potentiellement faire un petit top 25, ça serait complètement énorme. On est parti tout de suite pour du live avec Styleux et des conseils précieux. C'est parti. T'as Ok, trouvé, t'as let's go. trouvé. Go, go. Alors, bon, on est contre, je crois, un Chinois de Clash Syria. Ah, mais ouais, je connais lui. Ok. Bon, Dernière fois, là, il jouait j'ai. Molas Ballon, lui, hein, il me semble. Ah, ok. Donc là, j'ai Arkix. Ah, ok, bon, bah, c'est bien un Molosse. Donc là, j'ai Arkix Chevalier. En fait, j'aime pas Arkix directement quand il Molosse parce que s'il met un ballon derrière, c'est vraiment free win pour lui. Parce qu'il me prend mon Arkix. Et en même temps, il me défonce. Donc là, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est Tesla. Et donc là, en fait, ça va tout attirer à droite. Tu vas voir, le ballon, il va se faire attirer. Et donc, j'ai juste. Oh là 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 là. Et là, j'ai juste à. Tout boule de feu. Ouais, faut pas se rater, hein. Non, tranquille. Oh! Oh, tranquille, tranquille. Wouhou. En fait, il y a une gargouille qui a poussé le ballon. J'ai vu au dernier moment, je me suis dit, ah non, 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 tu déconnes. Ouh là 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 là. Sans pression. Bon, là, par contre, il a joué un peu agressif, je trouve. Ah, ouf. Bon, ça va, ça va, ça devrait le faire. Bûche. Ah, ouais. Ouais, bûche. Ah, Ah, ça a c'était pas tombé. le meilleur play, c'était pas le meilleur play de la planète, là, en particulier. Après, vous avez autant Ouais. d'Elex, juste qu'il va pouvoir poser Molosse et tu seras pas. Mais après, t'as dit que tu mettais pas d'Arkix, toi, pour punir Molosse, donc. Ouais. Et donc là par contre, là je pense que ce qu'il faut faire c'est de jouer tranquille. Franchement je peux le gagner ce match-up, mais juste faut que je joue tranquille. Hop là. Ça, il va mettre son ballon. Comme tout à l'heure. Et je pense pas qu'il ait de boule de feu, hein, vu son deck. Il coûte cher son deck, hein. Il coûte très cher. Ouais, je pense pas qu'il ait de boule de feu. Hein. Là il va sans doute hard, mais. Là, il a Ok. deux d'élixir, donc il peut pas. Oh, pour Ok. l'instant. Oh là, il a Oh bien joué. Il non! a très bien. Non, t'inquiète, ça va pas connecter, mais il a très bien joué là, je trouve. Et là, je vais attirer de l'autre côté. Ouais, c'est bien Parce joué, qu'en ça. fait, il a zap son molosse. Enfin, il a zap au dernier moment, donc le molosse a pas éclaté. Ouais, Et clairement. il a vraiment très bien joué, je trouve. Ok, là, franchement, je peux la gagner cette game. Donc, faut juste jouer tranquille et voir ce qu'il fait. Et puis, ça devrait le faire. Là, tu as réussi à connecter un petit peu. Ça, Ouf. franchement. Non, là, j'ai gagné. Parce que, regarde, là, je lui souhaite bonne chance pour Bah défendre. ouais, comment il gère? Ok, Ah ouais, barbare, ok. Il est split, il a raison, hein. C'est bien joué. là, poteau. Là, mon gars, vas-y, j'ai deux Tesla. Ouais, Mais là, il connectera pas, regarde. non, il pourra pas. Oh, Ouais, j'ai gagné, je pense. oh Ouais, là il là, et va me en plus, remettre t'as un déjà truc. reçu l'Arkix, toi, hein, donc. Ouais, c'est ça. Et là, je boule de feu s'il met une horde, il n'y a pas de souci. Et ouais. Désolé, mon gars. Hop là, il va barbare. C'était sûr, obvious. Et là, je mets archer tout à gauche pour pas qu'il flèche tout. Il a assez pour Horde à l'instant, il a 5 Non, ou ballon, ouais. ouais, il a bien joué là, mais de toute façon, regarde. Regarde. Hop là! Et voilà, je m'amuse vraiment avec lui, hein, Ouais, vraiment. voilà pourquoi les gens ragent sur Arkix. Vous avez la réponse dans cette partie-là. Exactement. En fait, voilà. En fait, les gens ils ragent parce que je bats un ballon. Mais si, enfin, vraiment. Après, quand même, faut quand même gérer un minimum le match parce que là, si on faisait de la merde, on perdait facilement là. Mais Ouais, oui, clairement, vas-y, mais dis-moi. c'est très intéressant du coup que tu n'aies pas mis l'Arkix sur son Molosse, parce que moi, clairement, en x1, je vois un Molosse, mais Arkix même lane, toujours. Ah ouais. Toujours même lane. Toujours même lane que Molosse. Mais sauf si le mec il joue Molosse direct.
Vaut mieux pas poser l'Arc-X. Ça dépend de votre situation. Si vous avez 10, bien sûr, vous pouvez poser. Et surtout si c'est en x2. En fait, en x2, on défend plus facilement le molosse que le x1, je trouve. Donc en x2, ça passe. En x2, vous pouvez directement Arc-X et counter-push, enfin en push direct, et mettre la Tesla un peu en bas et en même temps défendre au cas où s'il met des ballons, des archers ou Ouais, des trucs comme ça. c'est ce que je fais moi perso. Après, au final, comme tu l'as dit, sur du molosse ballon, c'est pas spécialement pertinent de. Il vaut mieux la jouer tranquille comme tu l'as fait, pas prendre de risques et. Ouais, exactement, ouais. Au début, en fait, je me suis dit, bon, je me suis un peu lâché, tu vois, genre, je mets Arc-X Tesla au pont. C'est bon, j'ai trouvé une game. Ouais, vas-y, Quoi? fonce. Ah, lui, il était premier mondial hier, je crois. Ah, d'accord. Ouais, C'est vrai que je l'avais il vu était sur le screen premier avec mondial. Team. Hop là, ouais. Cote. Ok, qu'est-ce que j'oublie? J'espère que tu joues Molosse Je me Clown. suis. Ah non, t'aimes pas être un chevalier, merde. Franchement, ça va, c'est pas. Ça. Oula, il. Est-ce que c'est pas le GRGS, peut-être? Géant Royal, Ah! peut-être. Ah, TVE, ok, Oula! non. T2! Ah, il a bien joué là. Alors. Ah, il me fait un peu peur quand même parce que j'aime pas voir les decks un peu bizarres comme ça là. Ok, là au Hop moins là, tu prends petit un fiou au bûche. pont. Ouais, bon, c'est bon, celle-là, je la passe tranquille. Petite défense à 5 contre Ouais. T'as pris un gros avantage, du tu l'as déjà cercle. mis à mi-HP, hein. Ouais, mais il a perdu, je pense, hein, parce que. Enfin, vu la tête de son deck, je vois pas trop comment je pourrais perdre comme ça. À part s'il me sort des fûts, des charrettes ou des trucs comme ça, mais une princesse. Est-ce que c'est le genre de. Non, non, ok. Je préfère pas aller trop agressif là. Il a quand même la princesse, C'est il a ce perdu que je veux le dire, est-ce cercle. que c'est le genre de match-up où tu partiras sur des Arc-X défensifs, mais. Ouais, y a moyen parce que quand même il a un deck hyper. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est super agressif son deck donc. Clairement. C'est quel joueur, Genre, Léa, hein. oula, Oula, félicitations, on voit ça, hein. ok. Let's go. Oula, oula là. Elle a pas le Qu'est-ce qui temps, hein. nous joue le. Qu'est-ce qui nous joue le bonhomme? Il va mettre. Ah, c'était sûr, ça c'était obvious. Hop là. Donc il a son fût. Je sais pas si ça. Ouais, non, faut que je joue, faut que je On joue. met un petit truc, ouais. Ouais, faut. Ok. Il avait devant là, non? Ouais, c'est ça. Oh là là. Il aurait pas Ah dû, en mince, plus t'avais mince. pas la bûche. Bah, Ah! Ah! ouais. Mais je pensais que ça allait. Enfin, ils allaient tuer mon esprit de glace. Donc. Oui, je comprends, moi aussi, hein. Ça m'a surpris de le voir connecté là-dessus, donc je comprends que tu. Ah, Ah là, la super double sorcière, fée, hein. elle va aller à gauche, là, la sorcière. Ouais, non, là, faut bûcher, hein, parce que c'est trop dangereux. Là, je vais attendre que la princesse s'éloigne un peu pour que bah, qu'elle chope mes squelettes. Oh mince! Je m'attendais pas à ce que. C'est Ouh! bien Heureusement ça, c'est que. bien, ouais. Ouais, heureusement que. Ouais. Bon, là, je vais. Oula! Il est quand même hyper agressif ce Ah, il a deck, pas hein! le temps. Ouais, Il a pris vraiment. cher quand même. Mais il me prend pour un débile, c'est la cinquième fois qu'il essaye. C'est trop bizarre parce qu'en plus, du coup, t'as pas ta bûche et il est quand même pas autour de la tour classique. Ah non, mais c'est bon, il a perdu là. Ouais, il a perdu. Hop là. Il va Tesla. Ah non, je pensais qu'il allait T2, mais en fait non. Après là pareil, hein, si tu tombes le géant squelette, tu connectes sur la tour et il a plus rien. Ouais, c'est Oh, ça, il a perdu là. coup de Parce que piège. là, il. Ouais. Ok, ouais, parce que ouais, c'est fini. Ah ouais, il part sur le roi du coup. Ouais, c'est bon. Il a rien pu faire là, vraiment. Cote. C'est trop Cote. marrant sa façon de jouer, hein. Je pense qu'il Ouais, jouait comme mais. ça parce qu'il sait que le match-up, de toute façon, il va galérer, quoi. Ouais, exactement. Enfin, il jouait bizarrement quand même. Hein. Enfin, avec des push géants, squelettes armés. Enfin, c'est bizarre. Et surtout qu'il avait mis son fût tout le temps tout devant, alors qu'il savait que j'avais pas la bûche. S'il entourait ma tour, il prenait des dégâts, quoi. Parce que là, je mettais juste esprit de glace et je prenais aucun dommage. Bah oui, Donc, ça, clairement. c'était un peu bête de sa part, ouais. Ok, Bah bon, écoute, tant on mieux. part. Je te laisse relancer une petite dernière en live. Ok, let's go. Ça te va? Allez. Ouais, allez, let's go. c'était un peu trop facile pour toi, donc ça, tu vois. Un truc où tu Ouais, tryhard un peu quand même, parce que là, quand même, tu vois, faut quand même être un peu de niveau face, hein. Je suis pas venu là pour me gratter, quoi. parce que là, après, moi je le connais, hein, les haters, ils vont être là dans les commentaires. Oui! Ah oui. En main de tes parts, tu as quoi? Là, j'ai Arc-X, Archer, Esprit de glace et Boule de feu. Donc, comme je le dis, j'ai l'Arc-X, donc je mets les archers, comme ça je push directement. Donc, ok, je vois Princesse, il y a moins que ça soit le deck GR ou Lockbait. Si c'est le deck GR, ça va être compliqué. Ouh, très compliqué. Ah, ça dépend ce qu'il va faire. What? Ok.
Ça, c'est le début de partie comme on les aime. Ça c'est. Ah, en plus, tu vois les petits trucs là, enfin, les petits archers qui Le pétaient un peu 3-lex le qui. gars. Ouais, c'est Ouais. clair. Ah ouais, non, mais là, ça c'était bien là. La bûche là, je m'y attendais tellement pas. Je pensais que genre qu'il allait mettre, je sais pas, un chevalier ou un gang, tu vois, mais Ouais. pas. Ah là, ça s'est Ok, mis donc tellement bien. là, Donc là, je là, pense vous avez que. autant d'élixirs, pour info. Ok, let's go. Oh, il va refaire pareil. Hop, bien. Valk. Ok, donc là, je pense que je vais essayer de le péter. Oh. Qu'est-ce qu'il va faire là, mon petit gars? Ok, let's go. Oh là là, bien joué de sa part. Ouais, boule de neige, ça marche bien. Ah, bien joué de sa part. Hop là. Là, par contre, il va mettre des sapeurs, je pense. Faut que je prépare la boule de feu. Ouais, c'est dommage, hein, mais je vais devoir mettre la boule de feu pour les sapeurs parce que j'ai que chevalier, archer, boule de feu et archix là. Donc, Ouais, je ok, vois, ok. let's go. Ouais, parce que là, en fait, si je mets archer ou chevalier, ça connectera ou il y aura au moins un qui connectera. Donc, ah, quoique si je recycle vite, là, si je mets l'esprit. Ok, ça. Ok, Oula! wow. Oula, t'inquiète. Oula! Bon, je préfère ça que de boule de feu seulement des sapeurs. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et Ce que là, j'allais tu vois, dire en au fait, final. j'aime bien aussi ce petit trick-là de mettre un esprit de glace devant. Tu vois, ça force une boule de neige avec un élixir. Ah oui, c'est clair. Moi aussi, je trouve ça très fort hein, de mettre juste un petit esprit de Ouais, glace avec c'est l'archer. super cool, ouais, c'est Ça super met cool. beaucoup de Alors dégâts, mine là, de rien. je pense qu'il va TDE. Ouais, Ouais, c'est ça. super bien joué. Oh, le pré-shot. Ouais, ah oui, je l'ai pré-shot là parce que c'est tellement évident. Là, Bon, du là, coup, il par est obligé contre, de Valk. là, je vais faire, là, je vais faire ça. Et comme ça fera. Oh, là, t'as vu la bûche ou pas? T'as vu la bûche? J'ai poussé sa Valkyrie. Et là, Énorme. j'aime bien Et tu t'avais fait esprit. exprès ou pas? En fait, c'est ce que je voulais faire, mais j'étais pas sûr d'avoir réussi. Ok. Si t'avais bien vu, j'avais bûche en fait un peu à gauche pour justement pousser, mais j'étais pas sûr que ça fonctionnait, mais ça fonctionnait. Mais Ok. c'est un play que j'aime bien faire, même contre les golems, géants, tout ça. Ouais, moi je t'avouerais que je la connais pas encore assez la portée pile poil de l'Arc-X pour savoir si une case ou pas sur la bûche suffira. Ouais, c'est. Même moi parfois je me rate, hein, c'est pour ça que j'étais pas sûr là tout à l'heure. Ouais, oula, qu'est-ce qu'il fait là? Il tente. Oula! Il a pas le temps lui. Oula! Ah oui, oula. Bon Oh, mais bah, tu j'ai lui as coupé roulé game, hein. dessus. Mais oh là Oh là, mais quel joueur. là là, mais là. Mais quel joueur. Alors je vous laisse Merci, indiquer dans les merci. commentaires le niveau pour vous de stylo, mais incroyable, sérieusement quoi. Ah ouais, bah en fait, bah après, tu vois, jusque-là, vu qu'on est en début de saison, ça va. Les mecs, ils sont pas. C'est pas des monstres, tu vois. Mais en fait, en fin de saison. Là, on peut vraiment voir. Là, vraiment, on se cogne dessus, quoi. Souvent, ça se termine en égalité ou des combats hyper serrés, mais genre qui se pètent à la seconde près, quoi. À la millième de seconde, les mecs, ils prennent les tours à la dernière seconde. Les mecs, ils lâchent pas, quoi. Genre, c'est vraiment la fin, là. Enfin, en fin de saison, c'est vraiment. On se cogne dessus à fond, fond, fond. Là, ça va. Le mec, en fait, je pouvais le pré-shot assez facilement parce que ça se voyait qu'il n'était pas hyper, hyper fort. Donc, ça passait, quoi. Waouh! Ouais, clairement, Ah ouais. mais c'est enfin très très propre. Hein. Parce que Ouais, pareil, et là, là on passe. t'as pris quoi? 200 dégâts quoi! C'est genre Ouais, c'est ça. normal. Et on passe 23e monde à la J'ai suite du vu, ouais, petit c'est ce que combat j'aurais là. montré pendant que Ouais, tu parlais, genre sur l'écran. c'est pas trop mal quoi. Clairement, ça envoie un top 25. C'est énorme. Et bah Ouais. écoute, merci beaucoup à toi, Stylé. Il nous a demandé Pas un de petit soucis. truc pendant que nous on discutait dans les moments coupés. Il demande, il dit, ok, à la fin de saison, est-ce que vous voulez revoir Stylo qui fait du rush ladder, mais genre à la fin de saison, le moment où c'est vraiment badass et vraiment très très chaud. Si vous êtes chaud pour revoir de son gameplay, je vous laisse l'indiquer dans les commentaires. Ah Du oui, coup, d'accord, c'est marrant. merci à toi Stylo pour ton partage, tes explications, etc. Honnêtement, j'ai passé un super bon moment, tu m'as appris beaucoup de choses, ça se voit que tu maîtrises extrêmement bien ton deck, ça fait super plaisir. Ah bah il n'y a pas de souci, Anaxi, c'était un plaisir d'être dans ta chaîne et vraiment, enfin j'espère pouvoir aider les gens qui jouent Arkix parce que vraiment c'est pas évident. Enfin les gens qui disent, enfin souvent les gens qui joueurs Kicks, ils se laissent un peu décourager parce qu'ils perdent ou parce qu'ils se font critiquer, mais les gars, les écoutez pas, jouez si ça vous plaît, franchement, foncez, et avec le temps, bah vous allez défoncer tous ces mecs, enfin tous ces rageux qui disent que bah voilà, vous c'est mauvais Kicks, ou bien que si vous perdez, bah à un moment donné, bah ça va se retourner et vous allez pouvoir gagner. Moi, ce Donc que je dis voilà. souvent, c'est vas-y,
Pars en 2.9, pars en super défi, fais un 12 et reviens. Exactement, Non, mais parce que vraiment mine de rien, l'article. après, ils sont en mode ah, mais en fait, c'est chaud de jouer contre Gerfoot, c'est chaud de jouer Ah contre bah oui, machin. hein, ah bah oui, hein. Là tu mets des géants, des GR, les mecs ils disent ah bah en fait je veux plus jouer Arkix. Hein. Mais vraiment, bah en tout cas les mecs, vraiment ceux qui jouent Arkix, ne vous laissez pas décourager. Si surtout si vous venez de le max ou quoi que ce soit, surtout si vous êtes en train de le max, c'est en fait c'est un deck qui est rentable parce que justement en fait moi je suis justement free to play et donc j'ai pas beaucoup de deck max et c'est enfin j'ai pas beaucoup de deck max, j'ai peut-être le Lockbait, le Cochon Bourreau, Rocket. Et j'ai l'Arc-X de max, et donc c'est aussi un deck free-to-play, donc ça c'est génial. Ça permet donc même aux joueurs qui n'ont pas forcément les moyens pour genre payer, bah, je dis des moyens, enfin je dis par exemple, c'est des, bah, que vous n'ayez pas de carte bancaire ou quoi que ce soit, bah, ça vous permet justement d'avoir un deck solide qui vous permettra de gagner. Donc c'est vraiment génial, donc n'hésitez pas à jouer Arc-X. Carrément, carrément. Belle propagande sur Ouais. l'Arc-X. J'espère que vous avez Yes! kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou des questions si vous en avez. Je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez soin de vous. Allez, ciao les gars.